Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette toute première vidéo de ce tout nouveau let's play, un let's play nouvelle formule. Laissez-moi un petit peu vous expliquer du coup comment ça va se passer. Je vous l'ai dit il y a quelques temps déjà, je veux mettre à jour les let's play, les faire d'une nouvelle façon, en incluant de nouveaux éléments, comme par exemple la webcam. Voilà, bon, il va falloir que je m'entraîne à regarder face à la webcam, ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer. Voilà, donc je vais faire pas mal d'ajouts dans ce let's play. Que vous allez voir, mais du coup c'est peut-être pas bon, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont pas être forcément très bien, vous n'avez pas forcément apprécié. Du coup, comme j'enregistre tous les épisodes de la saison en avance, vous pourrez pas, même si vous me le dites dans les commentaires, ce que j'aimerais bien, je pourrais pas corriger les problèmes. Mais du coup, pour éviter que les problèmes durent sur trop longtemps, et ben tout simplement la saison sera assez courte, surtout sur le jeu que je vais vous montrer. Je pense que c'est mieux parce que je sais pas trop ce que ça va donner véritablement. Je suis pas sûr que ce soit très agréable à regarder. On verra bien. Donc on est parti pour une petite saison, ce qui me permettra de corriger les problèmes pour les plays suivants. Encore que, vu que je les tournerai sans doute en avance certains, tout ne sera pas parfait tout de suite. Voilà, tout ne sera pas parfait tout de suite, mais j'espère corriger les quelques problèmes déjà, au moins en essayant de faire cette petite saison test. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc nous allons commencer pour ce premier nouveau let's play nouvelle formule, sur le jeu Stellaris. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Stellaris? Eh ben, je vais vous l'expliquer grâce à la magie du montage. C'est parti. Stellaris est un 4X, c'est-à-dire un jeu de stratégie gestion où il faut explorer, s'expandre, exploiter et... Exterminate! Le plus célèbre représentant du genre est Civilization, mais Stellaris en est un autre, dans l'espace. Le principe du jeu est simple. Vous êtes une toute jeune civilisation arrivant à l'ère spatiale et vous devez commencer à explorer la galaxie à la recherche de nouveaux mondes à coloniser et d'autres empires stellaires avec lesquels entretenir des relations plus ou moins amicales. En fait, c'est un peu comme la phase espace de sport mais en bien plus poussée. Mais pour cela, il faudra bien gérer vos ressources qui sont sous plusieurs formes. L'énergie et les matériaux se gèrent de manière classique, comme des ressources qui peuvent être stockées et dont la génération mensuelle dépend du nombre d'usines et de stations en place, et des coûts de maintenance. Une autre ressource est basée sur le même principe mais un peu différente, l'influence, qui sert à acheter les différentes personnalités qui formeront votre empire. Les autres ressources utiles sont les ressources pour les recherches, autre aspect très important du jeu. Chaque mois est généré un certain nombre de points de recherche de technologie, de social et d'ingénierie. Si ces ressources ne sont pas utilisées par des projets, elles sont perdues, donc il faut toujours avoir un projet qui tourne. Avec ça, vous devez forger votre empire, construire des vaisseaux spatiaux de recherche pour explorer, de colonisation pour s'implanter sur de nouvelles planètes et augmenter votre influence, de guerre pour affronter les différents dangers de l'espace et réduire les empires qui vous énervent en cendres. Le nombre de possibilités offertes par le jeu est franchement très impressionnant, et le nombre de choses à gérer l'est tout autant, sans que cela soit trop dur non plus, même si au début c'est assez confus si on ne fait pas le didacticiel. Si vous avez toujours rêvé de contrôler des champignons vivants pour réduire en esclavage des populations humaines sur votre planète, c'est le jeu fait pour vous. Mais pour ce let's play, je vais plutôt essayer de vous montrer en 5 épisodes les bases du jeu, vous montrer ce que je peux faire, ce qui est possible mais que je ne sais pas faire aussi. Je ne suis pas un pro player, loin de là, et vous le savez. Donc nous sommes partis pour quelques épisodes qui continueront si cela vous plaît. Donc voilà, nous sommes sur l'écran titre du jeu Stellaris, et avant de commencer, je vous propose tout simplement de lancer le générique. C'est parti. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, we've gone for main engine start, we have... Il est cool, non? Moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce générique, je me suis vraiment fait plaisir à le faire. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que nous allons partir un petit peu sur le jeu pour 5 petits épisodes pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, nous allons faire une nouvelle partie, bien entendu.
Pour cette nouvelle partie, en fait, on peut choisir tout d'abord notre empire, quelle race allons-nous incarner. Donc il y en a plein qui sont faits par défaut, même si on peut aussi en avoir de... On peut en créer de... les nôtres, hein, on peut créer un nouvel empire. Donc il suffit de gérer l'apparence, tout ça, machin, tout ça. C'est plutôt complet. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de base. Je pense qu'on prendra une des factions de base. Tout d'abord, nous avons l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, qui vient de la Terre. Le monde d'origine de la Terre. Donc en fait, ce sont les humains qui ont évolué un petit peu dans le futur. On commence en l'an 2100. Voilà, donc c'est l'évolution actuelle des humains. La communauté humaine, ce sont en fait des anciens colons, des ex-colons qui se sont paumés et qui ont fini par fonder une autre colonie, un autre empire, beaucoup plus loin dans l'espace. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc on voit leur histoire. Chacun ayant un bord, incarne un million de colons. On n'en reçut plus jamais de nouvelles. Bientôt, des recherches sur les trouvères subspatiaux furent abandonnées. Donc voilà, c'est suite à des erreurs. Un petit peu comme dans les BD de Léo. Je crois que c'est Léo et je sais plus qui. Ce sont de très bons auteurs de science-fiction. Les BD Aldébaran, Bételgeuse. Et je sais plus, il y en a plusieurs, il y a trois cycles qui sont vraiment des très très bonnes BD de SF et où dans le premier cycle, en fait, ce sont des anciens colons qui, à l'aide de... lorsque les humains sont partis faire des voyages subspatiaux, se sont paumés, c'est-à-dire qu'il y a un des vaisseaux qui, lors d'un passage dans la vitesse supraluminique, s'est détruit et on n'en a plus jamais de nouvelles. Du coup, ils ont coupé tous les liens avec la première colonie humaine, ce qui fait qu'ils ont vécu en autarcie pendant un petit bout de temps. Et c'est aussi un peu le point de départ du pitch de la bande dessinée, qui est vraiment très très cool, je vous la conseille fortement. Ensuite, vous avez la monarchie de Sin. Alors, eux, c'est quoi? C'est des reptiliens, voilà. Donc les reptiliens, tout ça, Illuminati. Mais ce ne sont pas ça, ce sont des fanatiques militaires. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'ils ont... On a chacun des empires, en fait, a plusieurs caractéristiques. Par exemple, les humains de l'ONU sont en démocratie indirecte. Ils ont l'attribut xénophilie, donc ils ont une amélioration de la confiance et une xénophobie, un petit peu des crises diminuées, voilà. J'allais dire en anglais, c'est bizarre. Ensuite, on est fanatiquement individualiste, c'est-à-dire que on est plutôt cool quand on est tout seul. C'est un peu ça. On a des caractéristiques d'apprentissage rapide et on peut migrer beaucoup. Par contre, on n'aime pas trop... Ah si, on aime bien se réinstaller. Donc on migre beaucoup, ce qui est vraiment cool. Après, nous avons nos différentes techniques. Par exemple, nous avons des flottes humanoïdes. Nous utilisons essentiellement des missiles nucléaires. Donc en fait, nous sommes une civilisation post-nucléaire. Et comme moyen de déplacement supraluminique, nous utilisons la distorsion. Ça permet des voyages sans contrainte, mais relativement lents entre les systèmes stellaires. Et par exemple, la dictature militaire, eux, ils sont xénophobes, au contraire de nous, de l'ONU qui est xénophile. Du coup, ils sont fanatiquement militaristes, qui sont plutôt pour la guerre, ce sont les gars agressifs dans le sport, quoi. Et au lieu d'avoir des missiles, ils sont plutôt du côté des lasers, et ils utilisent des trous de verre plutôt que la distorsion pour se déplacer dans l'espace. Voilà, donc vous avez plein de différentes... différents empires. Par exemple, on a ici une civilisation aviaire, donc ce qui est vraiment cool, les Yondarim, qui eux utilisent l'hyperespace, qui en fait, je pense, c'est le meilleur moyen de déplacement du jeu à mon goût, qui en fait se sert des routes entre différents points dans l'espace. Ces routes-là en fait permettent de se déplacer entre deux systèmes. Alors on est limité aux routes du coup pour se déplacer entre les systèmes. C'est-à-dire que s'il y a deux systèmes qui sont où on est obligé de passer par un troisième pour se déplacer, ça prend un peu plus de temps. Mais au moins, je trouve qu'il y a suffisamment de routes pour ne pas avoir de problème. Voilà. Nous avons des arthropoïdes, donc eux ils sont vachement moches. C'est pour ça qu'ils sont répugnants, donc un bonheur des autres espèces est un peu moindre. Voilà. Y a les molluscoïdes aussi, donc c'est par exemple les chinoriennes. Donc c'est des mollusques en fait, c'est des mollusques vivants. Là, il y a les fongioïdes, qui sont carrément des champignons vivants, ok. Qui utilisent même des vaisseaux champignons, si je me souviens bien, mais je crois que c'est pas eux. Vous avez des mammaliennes, donc c'est plutôt des mammifères qui sont pas forcément évolués en humanoïdes. Là, c'est encore des arthropoïdes, et... Là, oui, c'est encore des fongioïdes. Du coup,
Ce que je vous propose, c'est que je tire au hasard un nombre entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 1 et 10, donc je vais me chercher un petit des 10, et on va choisir en fait quelle est la civilisation que nous allons prendre. Donc voilà, je vais tirer avec mon D10, donc voilà, il est dans la main, hop, je vais tirer, et bah, ça va aller de, un D10, ça va de 0 à 9, du coup, bah, le 0, c'est l'ONU, et le 9, c'est l'oligarchie, le Blorg Commonadali, machin. Et c'est le 7, soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous serons la confédération Skildarienne, ok, et nous sommes... Dans un monde nous utiliserons un monde océanique, nous sommes très matérialistes, plutôt pacifistes, on fera pas trop de guerre, xénophiles, nous sommes charismatiques, par contre on aime bien être solitaire. Oh, ça me correspond bien, à part le côté charismatique, mais ça me correspond bien. Doué au sens social, ah non, ça me correspond pas du tout. Et apprends vite, ça c'est bien, ça c'est moi. On utilisera les conducteurs de masse, les lanceurs de projectiles électromagnétiques, ils utilisent des aimants pour accélérer à haute vitesse des balles perçantes vers leur cible, donc ça c'est les canons de Gauss, essentiellement c'est la technique de Gauss. Distorsion, c'est la propulsion par distorsion, voilà. Et les Skildariens sont des mammaliens marins originaires des archipels et des profondeurs océaniques de Skildaria. Donc nous serons plutôt pour aller chercher des mondes océaniques plutôt que des mondes arides ou des choses comme ça. Vous allez voir, c'est assez bien, c'est assez complet, ça va être plutôt cool. Et nous sommes une démocratie directe, donc on organise des élections par vote. Eh ben d'accord, allons-y. On pourrait l'éditer aussi, tiens. On peut pas changer un petit peu le drapeau? Quoique, il a l'air d'être bien, mais... Bon, on va peut-être changer le drapeau avant. Alors... Aperture. C'est Aperture Science, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bah c'est bien ça. Eh ben on est parti. Nous sommes partis. Alors, maintenant les détails de la partie, comment allons-nous jouer? Tout d'abord, on va prendre une grande galaxie, parce que c'est vraiment bien. Ensuite, nous allons prendre une elliptique. Alors, soit elliptique, donc c'est quelque chose d'aplati. Mettre en face de la caméra. Faut que ça soit, c'est une galaxie aplatie, soit spirale avec deux branches. Et soit une spirale avec 4 branches qui est comme notre galaxie, soit en anneau. Je vous propose 4 branches. Spirale 4 branches, ça peut être pas mal. Ensuite, les empires contrôlés par l'IA, on va en prendre 21, ce qui est quand même pas mal. Des IA avancées, on va pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va être la merde. C'est des IA compliquées quoi. Et donc maximal d'empires déchus. Alors ça, ce sont des. Les empires déchus, ce sont des anciens empires qui finissent par atterrir sur le. Enfin, qui. Sont là, c'est des anciens empires galactiques qui au final un peu décadents, ils sont encore là, mais ils sont un peu moins forts. Monde habitable, 100%, c'est bien. Agressivité de l'IA, normal, difficulté normale. Mode PLR autorisé, c'est quoi? Contrôle des modes de voyage supraéminiques pouvant actuellement être adoptés par les empires. Par défaut, les 3 méthodes, ouais, c'est bon. Départ en amas. Contrôle si les empires doivent commencer en partie groupés à Ranama ou répartis de façon aléatoire sur toute la galaxie. Aléatoire. Voisin avancé. Contrôle si les empires bénéficiant d'une IA avancée au lancement de la partie peuvent apparaître à proximité d'un joueur. Ouais, non, c'est un peu compliqué avec les IA avancées, c'est un peu dur. Crise de fin de partie. Contrôle si les crises de fin de partie peuvent apparaître dans cette partie. Pourquoi pas, mais en même temps, je suis pas sûr qu'on arrive à finir la partie en 5 épisodes, voire même pas du tout. Ensuite, on va partir avec le mode Iron Man qui fait que je ne pourrai pas sauvegarder pour reprendre la partie, c'est la sauvegarde automatique. Et nous sommes partis. Et ça y est, nous sommes en jeu. Nous sommes donc la Confédération Skildarienne. Donc nous venons de Skildaria, ce qui est un peu logique dans le système Skildon. Ok, donc là, fusionner pour donner une démocratie méritable dans laquelle chaque citoyen. Ok. C'est parti, nous allons commencer à jouer. Oh, ta gueule. Ça, c'est mon robot qui m'aide, qui est censé m'aider. Mais je vais lui faire fermer sa gueule parce que c'est en fait le didacticiel. Alors, voilà notre système de base, avec différents éléments intéressants, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont notés là sont des endroits potentiellement intéressants. Par exemple, nous avons une planète à côté qui s'appelle Varnia, qui est un monde stérile. Où nous avons Kamadora, sa lune Ultan. Nous avons des planètes gazeuses, des géantes gazeuses. Nous avons
une étoile de classe B qui est Skilldon, qui est très jolie d'ailleurs, par contre ça m'explose les yeux. Pardon, voilà. Et quelques astéroïdes qui sont potentiellement intéressants. Alors je vais baisser un petit peu le son de Windows. Ah là merci, c'était en train de me défoncer les oreilles. Ensuite, nous avons donc Skilladaria qui est notre monde mère. Donc on peut cliquer dessus, nous avons pas mal d'informations intéressantes. Nous voyons les différentes ressources qu'elle peut produire. Donc nous avons actuellement 9 crédits énergétiques, 2 minéraux, 5 de nourriture, 1 de recherche en physique, 1 de recherche sociétale et 4 de recherche en ingénierie. Nous avons un surplus de nourriture de 4, nous avons 20 huiles, je vous expliquerai après, et 7 populations dessus. Et c'est un monde océanique avec une habitabilité de 100%, et comme c'est notre capitale, nous avons des bonus pour la population. La population en fait se sert de tuiles sur la planète pour s'implanter. Voilà. Donc quand on voit le monde de manière surface, en fait on voit les différentes tuiles où on peut installer des bâtiments et récolter des différents éléments. Par exemple sur cette case j'ai installé une centrale de niveau 1, ce qui permet de récupérer de l'énergie et qui permet d'aller dans mon bilan de crédit énergétique. Alors est-ce que je peux vous montrer autre chose? Quand il n'y a pas de bâtiment, en fait, on récupère l'élément qui est déjà sur la tuile. Par exemple, ici, il n'y a rien sur cette tuile. Mais là, si je mettais une population, je générais de l'électricité. Hop, si je la décale, la population, hop, elle génère de l'électricité. Je suis à plus 4. Si je le mets là, hop, je génère de la nourriture. La population sur une planète ne peut pas grandir s'il n'y a pas de nourriture. C'est tout simple. Et chaque population consomme une de nourriture. Donc, par exemple, ici, je peux encore avoir 4 de populations qui peuvent arriver sur cette planète. Et là, il n'y en a pas encore qui se génèrent, mais tout simplement parce que j'ai mis le jeu en pause, étant donné que nous sommes en l'an... Ah, nous ne sommes pas en l'an 2100, nous sommes en l'an 2200, le 1er février, et le 1er janvier, pardon. Nous n'avons pas d'armée sur cette planète, et nous avons un spatioport de niveau 1 qui permet de construire des corvettes, qui sont les premiers vaisseaux de combat, les vaisseaux de construction, qui sont les vaisseaux qui permettent de construire des objets dans l'espace autour de planètes, et vaisseaux scientifiques qui permettent de faire de l'exploration. Oui, je sais, c'est un épisode où j'explique beaucoup de choses, mais c'est important pour que vous puissiez comprendre ce que je vais faire par la suite. Et sinon, vous allez être paumé. Donc voilà pour la planète mère, sachant que nous avons aussi un gouverneur que nous pouvons changer, hein, nous pouvons recruter différentes personnalités. Et actuellement, nous utilisons une seule personnalité, on voit sur le panel des personnalités, j'ai que un seul gouverneur. Et qui gouverne Skilldaria, il a un skill qui est une expérience... Son skill, c'est résistant, il a une espérance de vie qui est un peu plus élevée que la moyenne. Alors, donc voilà pour les explications autour de la planète. Toutes les planètes sont pareilles, c'est-à-dire qu'ils ont, elles ont toute une surface avec plus ou moins de tuiles, plus ou moins de ressources. Et pour récolter les ressources, bien évidemment, il vous faut placer de la population dessus, en plus de mettre des usines pour augmenter la production. Et les tuiles, là, comme ça, qui sont avec des barrières, elles sont en fait bloquées, il faut les déblayer pour pouvoir implanter de la population dessus. Par exemple, s'il y a des friches industrielles déjouées, il faut les déblayer pour pouvoir mettre des choses. Et en sachant que les obstacles peuvent être vraiment variés, par exemple ça peut être un volcan, carrément. Voilà, donc pour ce qui était des explications de la planète. Ok, on va virer point de ralliement, ok. Ensuite nous avons une flotte militaire qui est la First Starfleet, et qui n'est pas dans Star Trek, qui est ici, qui possède une puissance de feu de 96. Pas grand chose, elle n'a pas de commandant nommé, je lui en mettrai un si vraiment on en a besoin, mais pour l'instant ça va. Et qui est composée de 3 corvettes de classe Issarik, qui permettent d'attaquer. Ensuite, nous avons... Non, dans les vaisseaux civils, nous avons le vaisseau de construction SCS et Ibagic. Voilà, c'est un vaisseau de construction. Les vaisseaux de construction permettent de récolter des ressources lorsqu'elles sont indiquées sur une planète. Par exemple, si celle-là possède une ressource d'ingénierie, je peux mettre autour une station de recherche qui va permettre de récolter la ressource de recherche en ingénierie tous les mois. Mais pour savoir s'il y a des ressources, en fait, il faut envoyer des vaisseaux scientifiques pour rechercher. Donc un autre vaisseau scientifique, j'en ai un là, avec un scientifique qui s'appelle Gan Thorak. Il faut les envoyer rechercher, en fait, les différentes informations qu'il y a dans le système. Par exemple, si je fais reconnaissance du système, il va passer sur tout le système, reconnaître les différentes... comment ça s'appelle ? Les différents éléments du système pour savoir s'il y a des informations ou pas dessus. Je vais relâcher le jeu, c'est-à-dire je vais arrêter la pause dynamique. Ah non, faut que je vous explique les recherches d'abord. Il y a beaucoup de choses à expliquer, je sais, mais c'est important. Alors, les recherches. Donc les recherches, en fait, comme je l'ai expliqué dans la petite vidéo de départ, vous avez les différentes recherches en physique, recherches sociétales et recherches en ingénierie qui génèrent en fait plus ou moins de points de recherche au mois.
Et donc en fait, vous sélectionnez une recherche, par exemple ici je vais sélectionner une recherche en physique, et le scientifique qui y est attribué va rechercher en utilisant à chaque fois, chaque mois en fait, les points qui sont générés. Par exemple, je pourrais rechercher des réseaux de panneaux solaires qui permettent de faire des crédits énergétiques, donc qui est une recherche d'industrie, ou par exemple assister à la recherche qui permet d'augmenter les rendements des différentes recherches. Voilà. Ça pourrait être pas mal. Ou vitesse de recherche. Qu'est-ce que je pourrais lancer? Sachant que 360, ça fait 71 mois au rythme actuel, c'est quand même long. 71 mois qui fait plusieurs années. C'est les sciences physiques, c'est pour moi, c'est la recherche la plus longue à chaque fois. À la limite, assister à la recherche, c'est bien parce que ça permet d'augmenter le rendement sur la longue durée. Donc voilà, nous venons de lancer une recherche, il reste 71 mois. Je vais lancer les autres recherches. Hein. Permet des vaisseaux coloniaux, c'est hyper important. Si on les fait pas tout de suite, ça va être vraiment chiant. Et ensuite, les recherches d'ingénierie, plateforme de défense à mettre dans l'espace, blindage nanocomposite, c'est pour augmenter les différents vaisseaux spatiaux, parce que oui, il y a un constructeur de vaisseaux. Et ensuite, complexe d'ingénierie qui permet de produire des différents points de recherche. On va lancer le complexe d'ingénierie, parce que ça peut être pas mal d'avoir de la recherche à ce niveau-là. On va relâcher, je vais lancer le jeu, voilà, c'est parti, normalement les premiers vaisseaux se déplacent, donc vous voyez, hein, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. Et donc ils sont partis pour ce système. Ok. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu la carte de la galaxie. Donc nous sommes ici. Ce qui est en rouge, du coup, c'est l'influence de notre système. C'est là où on... C'est nos frontières, quoi. C'est nos frontières. En pointillé, ce sont l'influence de nos vaisseaux, c'est-à-dire là où ils peuvent se déplacer, là où est le scanner, en fait, le radar. Ensuite, nous avons différents... En fait, nous avons différents systèmes qui sont à notre portée, par exemple Gaé, qui est à notre portée, où on pourrait se déplacer à un de nos vaisseaux scientifiques. Vaisseau scientifique qui est en train de reconnaître une planète ou un élément du système. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer notre vaisseau scientifique, aller rechercher différents systèmes au fur et à mesure. Ok, donc nous pourrons nous y déplacer hein, quand nous y serons. Hop, on peut... Hop, petite sauvegarde de moi à chaque fois. Voilà. Donc pour l'instant, nous sommes bien. Nous avons pu lancer un petit peu nos premières recherches. Donc on voit que sur les... Il en est où? Il a commencé déjà à rechercher ça, ça, ça et ça. Il n'a rien trouvé, donc il n'y a aucun élément pour l'instant. Je vais attendre encore un peu. Je vais continuer un petit peu à vous expliquer le reste. Donc là, vous avez l'onglet gouvernement qui permet de faire les élections, de regarder les traits des différents dirigeants, de voir un petit peu le budget, revenus et dépenses, l'aspect démographique, on peut renommer aussi différentes choses. Ensuite, au niveau des contacts, on peut voir les différents empires que l'on connaît, mais actuellement, on connaît personne à part nous. Ensuite, le journal de mort permet de regarder les missions. Les victoires, vous avez trois types de victoires possibles, donc victoire par domination, remportée à partie en possédant 40% de toutes les planètes habitables, ce qui est long. Victoire par conquête, remportée à partie en conquérant ou soumettant tous les autres empires, soit 25 empires, c'est long aussi. Et victoire fédérale, remportée à partie en ayant 60% des planètes habitables possédées par votre fédération, c'est très long aussi. C'est pour ça que j'ai toujours pas pu finir une partie actuellement. Donc là, vous avez technologie. Les planètes et secteurs, ça permet de voir les différentes planètes que vous possédez. Les personnalités, c'est différentes personnalités qui sont dans votre empire. Vous avez 4 scientifiques, le gouverneur. C'est déjà pas mal. On peut recruter des amiraux et des généraux. Les factions. Alors les factions, ça arrive quand vous avez vraiment beaucoup de planètes et beaucoup de populations. Il commence à avoir des factions à l'intérieur de chez vous. Voilà. Ah, voici. Boardo possède deux ressources d'ingénierie. Donc on va prendre notre vaisseau de construction et on va construire une station de recherche. On va le lancer. Il va aller faire sa petite station. En sachant que la station de recherche, en fait, nécessitait de l'entretien énergétique et de l'entretien minéral. Du coup, même si elle produit des ressources d'ingénierie, pardon, elle galère un petit peu au niveau de... Ça va être un peu la galère au niveau des ressources minérales, tout ça. Il va falloir qu'on en produise ailleurs. Pour ça, il y a les tuiles. Donc vous voyez ici, là, il y a la population qui est en train d'arriver. Donc là, ça serait plutôt de l'énergie. Ah, merde, j'ai trouvé quelque chose. Donc là, le scientifique, déjà, il a gagné un niveau, mais aussi, il a trouvé une anomalie qui est en fait un projet de recherche qui peut potentiellement générer des trucs vraiment sympas. On va enquêter parce qu'on a un risque de 0%.
je vais virer les trucs. Donc j'ai lancé sur une anomalie ici sur une TAN et on va voir ce que ça peut bien donner. Alors c'est très long, je suis désolé, l'épisode va être vraiment long. Parce que je pense que je pourrais pas beaucoup couper au milieu dans cet épisode. Il y a beaucoup de choses importantes à comprendre. Mais autant que je le fasse maintenant, comme ça j'expliquerai pas tout après et on pourra jouer derrière. Donc les différentes espèces, les espèces que je vous ai pas expliqué, ce sont les espèces qu'on peut rencontrer. Politique et décret, alors là c'est aussi un aspect complexe du jeu, c'est les différentes politiques qu'on peut mettre et les décrets. Par exemple, quarantaine de l'information qui permet de diminuer la différence éthique, la divergence éthique, c'est-à-dire les mecs qui commencent à faire des conneries, genre à sacrifier des jeunes vierges dans une cave, ça c'est de la divergence éthique, voilà. Et par contre, ça, du coup, en contrepartie, ça diminue la vitesse de recherche et ça coûte de l'influence tous les mois. Influence qui sert aussi à... qui sert surtout à créer de... à recruter des amis, des différentes personnalités et à créer de nouveaux... non, pas de créer de nouvelles planètes. À s'installer sur de nouvelles planètes. Voilà, j'y suis arrivé. Ok, donc là... L'anomalie sur la lune Ultan montre des traces d'autres voyageurs interstellaires. Une faible traînée PRL indique que quelqu'un est venu ici il y a bien longtemps. Peut-être pour surveiller notre planète à la recherche d'alliés potentiels. Elle s'est trop estompée pour pouvoir la remonter plus loin. Nous devrions continuer d'enquêter sur ces sortes d'anomalies dès que l'opportunité se présentera. Ok. Normalement, ça n'a rien rajouté au journal de bord. Ouais, c'est ça. De temps en temps, ça peut rajouter des missions. Des grosses missions, certains. Planificateur d'expansion, c'est pour planifier des expansions, comme ce que son nom l'indique. Et le concepteur de vaisseau qui permet de concevoir des vaisseaux à l'aide de tuiles, tout ça, les différents vaisseaux possibles. Voilà, c'est un petit peu complexe cette partie-là, je vous la montrerai plus tard quand on aura différents éléments et possibilités d'amélioration. Je vais accélérer un petit peu la vitesse du jeu. On peut passer en très rapide. Ouais, ok. Oui, d'accord, donc là ils ont découvert qu'en fait... Ah, ok, petite pause. Donc il a réussi à construire quelque chose. Donc voilà, on est passé à plus 7. Maintenant, il faudrait que je trouve de nouveaux éléments à... Comment dire? Il faudrait que sur... Ça se garde tellement vite. Il faudrait que les autres planètes, elles aient aussi des trucs, parce que là, on a vraiment rien sur... Je vais passer plus de temps à sauvegarder qu'autre chose si je mets en très rapide. Ça va être long. Il y a vraiment rien, hein. D'habitude, sur les systèmes, il y a toujours plein d'éléments. Ah, si, quand même, un petit peu d'énergie. Donc là, on va y mettre une station minière qui va permettre de récolter l'énergie. Et au début, en fait, c'est un petit peu la chose qu'il faut faire au fur et à mesure. C'est vraiment explorer. Tant qu'on rencontre personne, c'est explorer et installer différents... les différents trucs des trucs à construire. Ok, donc là, il a surveillé tout le système, donc on sait que dedans il y a 2 de crédit énergétique et 2 de recherche en ingénierie. On va lancer la même chose, mais sur le système d'à côté. Donc là il va se déplacer en vitesse supraluminique. Il va se déplacer comme ceci, on va aller le voir. Hop, il est parti. Et donc il est parti, il est allé s'installer, enfin installer. Il est allé rechercher un petit peu ce qu'il y a sur différentes planètes. Donc là il y a une planète qui est potentiellement habitable avec 15%, mais c'est un monde montagneux alors que moi je cherche plutôt un monde océanique, ce qui est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc là déjà on voit qu'il y a une recherche en ingénierie, 2 crédits énergétiques, donc ouais, il y a des choses. Il y a des choses, c'est intéressant, il y a moyen de faire des trucs. Donc là on va commencer un petit peu à partir dans le cœur du jeu, j'ai envie de dire. Donc là on va prendre notre vaisseau de construction. Ce qu'on peut faire à la limite c'est faire ceci. Hop. On va commencer par construire la station minière, ouais je pense. Donc comme ça va faire toutes les stations d'un coup. Ou en tout cas, à partir du moment où j'ai lancé le truc, ça va te les faire. Donc accélérer c'est bien, mais par contre c'est vrai qu'en mode Iron Man, ça se garde toutes les 2 secondes. C'est un peu chiant. Je regarde un peu le chrono, on est déjà à... Moi je suis déjà à 30 minutes d'enregistrement, ce qui est quand même pas mal. Mais voilà, ce Let's Play Nouvelle Formule est un peu basé sur ce principe. Alors, donc System Survey Complete. Non, hop. Donc là, c'est parti encore à mon système. Voilà. Ah ah, là, il y a un monde potentiellement habitable pour nous. Parce qu'il y a un monde océanique. Ce qui est cool. Ce qui est particulièrement cool.
Parce que ça veut dire que si on s'y installe, je vous montrer un petit peu, si on s'y installe, en fait, ça va augmenter nos frontières. Surtout qu'elles sont dans nos frontières, donc en fait, on peut s'y installer directos comme ça, c'est tranquille. On s'y installe, ça va augmenter nos frontières et aussi les systèmes qu'on revendique. Parce qu'on ne peut pas installer de nouveaux... Je vais lancer le jeu. On ne peut pas installer de nouvelles... De nouvelles stations, que ce soit des stations recherche ou minières, dans des systèmes qui ne nous appartiennent pas. Donc là, il y a des recherches sociétales à l'intérieur disponibles. Et je vais bientôt plus avoir de minéraux. Alors que les crédits énergétiques sont plutôt bons. Je vais essayer d'installer... Est-ce qu'en surface, on ne peut pas installer... Ah non. C'est-à-dire qu'on pourrait... On peut pas encore améliorer le réseau minier parce qu'il n'y a pas encore assez de... J'ai pas encore la technologie parce qu'il faut évidemment installer des technologies. Enfin, il faut évidemment rechercher des technologies pour ça. Donc là, on va y mettre encore une centrale. Ce qui va permettre encore de générer de l'énergie. Mais là, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y ait plus de minéraux. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. On voit sur Urum 1, il n'y a pas énormément de planètes, mais alors... Il y a du sociétal ici, du sociétal là, et de l'ingénierie, ok. Mais c'est toujours pas ça que je cherche, hein. C'est vraiment... Hop, il va partir, c'est vraiment de plus de des minéraux. Donc du coup, voilà, maintenant qu'il a tout fait, on va le faire déplacer ici, parce que de toute façon, j'ai pas encore assez de minéraux. Il y a encore un monde potentiellement habitable, sachant que celui-là a l'air d'être plus grand. Oui, celui-là a 15 tuiles, celui-là en a 24. 24 qui est le maximum, je crois. Ah, une anomalie a été trouvée. Son niveau de compétence à notre scientifique est de 3, le niveau d'anomalie est de 1, donc le risque d'échec est de 15. On peut enquêter, je pensais pas trop un problème. Sachant que les risques d'échec, bah, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Parce que s'il y a un échec, en fait, bah, il y a moyen qu'il meure. Le vaisseau est mort, ça explose. C'est fini, c'est genre, il y a une apocalypse zombie juste dans le vaisseau. Et donc, c'est la grosse merde. Alors, qu'est-ce qu'il y a trouvé? Nous avons récupéré sur Vorshamiva des artefacts contenant d'une ancienne civilisation alien. Alors, ouais, c'est d'accord, c'est une proto-civilisation. C'est un très vieux empire. Et donc là, du coup, hop, montrer le journal de bord. Et nous avons une... en fait, c'est une sorte de petite... histoire sur les précurseurs où il faut qu'on aille rechercher des artefacts dans différents endroits de la galaxie pour trouver le monde d'origine des précurseurs et potentiellement récupérer une putain de bonne technologie à la clé. C'est assez long, c'est clairement assez long, il m'a fallu facilement 50 ans de jeu pour 50 ans en jeu, pas de jeu, pour arriver à récupérer tous les artefacts. Ok, donc là, j'ai pas mal, je suis à plus 10 en crédit énergétique, ce qui est cool. La personnalité scientifique a monté de niveau. Donc là, dans l'idéal, en fait, c'est de continuer à ajouter des... Hop. Non, hop, hop. Non, pas ça. Pourquoi je peux pas... Ah si. Il en faut 270 pour tous les faire. Ouais, ça va être un peu long. Ok, donc on va peut-être prendre un peu le temps de générer des ressources avant de s'y attaquer. Alors, donc là, j'ai pas encore toutes les ressources. Par contre, effectivement, la première recherche a été terminée. Celle d'ingénierie, forcément, je suis à plus 8. Donc, on va lancer une nouvelle recherche. Dégâts provoqués par les minéraux. Alors là, c'est le cheminement robotique, donc les cheminements sont des suites de technologies importantes. Composants propulseurs ioniques ou canons électromagnétiques. Donc ça, c'est des équipements pour vaisseaux. Ça aussi, c'est des équipements pour vaisseaux. Et ça, c'est un modificateur d'empire. Lequel? Je pense qu'on va prendre les exosquelettes, ça peut être pas mal. Et je vais retourner... Oh là! Ok, donc là, c'était un projet spécial que j'ai réussi à... Alors... Quoi? Ok, donc ça, c'est un autre projet spécial, donc on va le lancer. Donc j'ai récupéré une nouvelle mission qu'il faut... il faut reconnaître 8 mondes habitables. Et on va continuer à lancer le jeu. Au début, c'est un petit peu long comme ça, mais... Au fur et à mesure,
Ça va bien se faire. Oui, il y a l'air d'avoir. Ok, d'accord. Il y a des fois des trucs où je les laisse passer comme ça. Alors, donc on vient de... Non, hop. Ah, je viens de finir de, reconnaître ce monde-là. Je vais le lancer. Il faut toujours le lancer, en fait. Hein. Les vaisseaux scientifiques, il faut en permanence qu'ils aillent rechercher différents... différents mondes. Sachant que là, il y a l'air d'avoir une planète. Enfin, un système. Putain de merde. C'est brillant. C'est très brillant. De temps en temps, on peut tomber sur des trous noirs, des trucs comme ça. Mais là, ça a l'air d'être plutôt brillant. Donc, la recherche des vaisseaux coloniaux est terminée. Donc, nous pouvons créer des vaisseaux coloniaux. Ensuite, nous allons lancer influence mensuelle. On s'en fiche un peu. L'effet bédophonique orbital, ça permet d'augmenter la nourriture sur la planète. Et Xenozoo, ça permet d'installer un modificateur de planète qui permet d'augmenter le bonheur. On s'en fiche un peu. Cheminement administratif. Ah, ça peut être pas mal. On va lancer ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il doit rester un petit mois avant de pouvoir lancer la construction de... des stations. Voilà, il manque 2 mois. Il manque 0. Je dois être vraiment à la limite. C'est ballot. Donc on va l'attendre le mois d'après. Ok. C'est parti. Je vais peut-être ralentir un petit peu. Donc là, je lance la construction des différents... Merde, comment ça s'appelle? Des différentes stations. J'arrive pas à parler, c'est horrible. Pendant que le vaisseau scientifique, il recherche un petit peu partout. J'aimerais bien... Wow. C'est quoi? C'est un quasar, ça? Ah non, c'est un pulsar. C'est un pulsar. Un quasar, c'est pas comme ça. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt bien pour ce premier épisode. On va peut-être arrêter là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Je suis un petit peu bloqué par mon manque de ressources. Donc tout simplement, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je récolte encore et encore des ressources. On fera ça, je pense, dans le prochain épisode. Ça va être assez rapide avant de s'attaquer à des trucs un petit peu plus solides. Ça va être plutôt cool. En tout cas, j'espère que ce premier épisode, je vais ralentir, je vais mettre en vitesse normale, voilà. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je sais, il y aura eu beaucoup d'explications, ça a été assez long. Et puis c'est pas un jeu très facile à commenter et à visionner, je sais pas trop ce que ça va donner. Oula, oula, attendez, attendez. J'ai des aliens qui viennent d'arriver chez nous. Répertoriés en tant qu'alpha alien. Ok, donc nous avons un rapport de contact alien, j'espère qu'ils sont pas trop méchants parce que 335 c'est un petit peu beaucoup. Et donc ça a l'air d'être des vaisseaux fongiques. Au vu de la gueule des vaisseaux, oui, c'est des fongiques. Ah, 2 secondes. Voilà. J'ai lancé l'anomalie. Donc ils viennent juste comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer l'enquête. Ça va me coûter 60 de recherche sociétale, mais c'est pas grave. On va lancer l'enquête qui permettra de communiquer avec eux. Et grâce à ça, on pourra découvrir le premier empire. Le premier empire voisin, du coup, j'ai l'impression. Et il a l'air de... Mais il se déplace avec quoi pour aller aussi loin d'un coup? Je sais pas avec quoi il peut se déplacer. Ok, donc nous avons trouvé un premier empire, c'est super cool. First contact avec le des aliens dans cette fin d'épisode, c'est plutôt pas mal. Je trouve que le timing est plutôt bon. Et on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À me dire ce que vous pensez de ces nouveaux let's play. C'est encore à l'étude, c'est encore un petit peu brouillon. Je sais, le jeu ne s'y prête pas forcément, mais j'aime beaucoup ce jeu, et j'aime bien vous faire des vidéos dessus, en tout cas j'aimerais bien en faire un peu plus. 5 épisodes, histoire de pas aller trop loin, je sais pas ce que ça va donner encore. Mais voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal, on peut faire quelque chose, je mets pas d'objectif véritable, je vais essayer de vous montrer comment on joue au jeu. Voilà, voilà, en tout cas... Quoi. Pose des coups de la cibre, c'est quoi? J'ai encore récupéré des trucs... Ok, donc là j'ai trouvé un des premiers éléments des précurseurs, mais pour ça il faut au moins un scientifique sur place avec au moins une compétence d'au moins 3 et un vaisseau scientifique en orbite. Et c'est où? D'accord, il faudra que je le fasse aussi. Mais on fera tout ça dans le prochain épisode. J'espère qu'une nouvelle fois que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!